Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal de bord tricot. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon tout dernier projet terminé qui est mon pull Ember de Yuko Shimizu. Ça y est, voilà, il est terminé. J'ai réussi le défi que je m'étais fixé, c'est-à-dire de le finir avant la fin de l'année 2020. Et en prime, j'ai même terminé ce pull avant le réveillon de Noël. Bon, je l'ai terminé le 23 décembre, mais le temps de sécher, tout ça, bon, bah, j'ai pas pu le porter pour les fêtes de Noël. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai terminé avant le réveillon de Noël. Donc, après blocage, évidemment, le pull s'est bien détendu. Il a pris l'amplitude que je voulais qu'il ait. J'ai bien étalé ici au niveau de l'encolure, tout ça. Le motif un petit peu là ici, je l'ai bien étiré pour qu'il soit bien lissé. Pareil ici à ce niveau-là où ça gondolait pas mal, eh bien j'ai bien tiré. Et puis comme je voulais que ce soit vraiment une forme boxy, pareil pour le corps, voilà, j'ai tiré un petit peu partout. J'ai aussi un peu tiré au niveau des manches parce que au moment où je l'ai essayé avant de le laver, j'ai constaté que c'était pas aussi long que ce que j'espérais. Donc j'ai un petit peu tiré, ce qui fait que quand je me tiens juste debout, ça m'arrive voilà, à peu près ici. Voilà, les manches comme ça. Après, quand on met comme ça, ça m'arrive au poignet. Mais sinon, voilà, ça dépasse un petit peu le poignet. Donc, c'est ce que je recherchais. Et puis, bon, bah, voilà, au niveau des mailles, tout est bien lissé. Tout est bien, voilà. Au niveau de l'encolure ici, alors, au départ, c'était un petit peu plus proche. Mais ça s'est légèrement... vous voyez ici, ça s'est légèrement étendu, donc le col est plus proche du col bateau que d'un col rapproché comme j'aime, mais c'est pas grave, je mets ça avec une chemise, avec une petite chemise, vous voyez comme ici, une blouse à col, col Mao, on dit ? Je sais plus. Voilà, et voilà, donc c'est vraiment un très très beau patron, c'est un pull, voilà, j'ai... Maintenant, je me rends compte un petit peu de l'allure qu'il a. Voilà, quand on part d'une idée, quand on a les écheveaux devant soi, on a juste une vague idée de ce que ça peut donner, mais c'est vraiment une fois fini qu'on se rend compte de ce que ça donne réellement, les choix de couleurs, est-ce que c'était les bons et tout. Et pour ma part, je suis vraiment très contente des choix de couleurs que j'ai faits. Donc, je rappelle rapidement, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. J'ai utilisé des écheveaux de l'écheveau solidaire. J'ai ici la couleur bleue, c'est la couleur le jour, je me rappelle plus. La nuit revient toujours ou le jour revient toujours, je ne sais plus. La couleur beige rosée ici, ça s'appelle Rare Bones. Le kaki n'avait pas de nom, ça s'appelle juste kaki apparemment. Et puis j'ai rajouté une touche de jaune qui n'était pas prévue au départ puisque j'avais prévu trois couleurs. Le jaune qui vient de mes restes de la féfile. Le jaune s'appelle Masala et c'était une laine que j'avais utilisée pour faire mon gilet émeli. J'ai tricoté en 3,5 tout ce qui est corps et manches et en 3,25 toute la partie des côtes. Pour les côtes, j'ai rabattu toutes mes côtes en tubulaire, à l'aiguille. Alors, j'ai fait ça parce que sur mon précédent pull, le pull Tauvé, j'avais simplement rabattu de façon classique et je trouvais que c'était un petit peu rigide, ça manquait d'élasticité, donc j'ai décidé d'opter pour le rabat tubulaire ici. Et là, vous voyez, c'est bien, c'est élastique. Par contre, j'aurais espéré, au départ, avant le blocage, les côtes ici étaient un peu plus resserrées et on avait plus un petit effet de manche-ballon. Et après lavage, bah, j'ai totalement perdu ça en fait, comme vous pouvez le constater. Hein, les bracelets de manche sont très 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 larges. Voilà. Donc ça, c'est, je me dis, c'est un peu dommage, j'espérais que ce soit plus resserré. Alors je pourrais bien sûr soit les défaire et les refaire, faire des diminutions pour que ce soit plus serré, soit mettre un élastique aussi, j'ai déjà vu faire ça, mais bon, moi j'ai pas envie. Il est tel qu'il est, je vais le garder comme il est et puis c'est tout, voilà. Il n'est pas question que je le refasse, que je modifie quoi que ce soit, parce qu'après tout, voilà, toutes ces heures passées à faire ça,
ah, ça va, je ne vais pas mourir parce que ce n'est pas assez serré ici au niveau des poignets. Hein. Voilà. Sinon, quoi dire? Donc la laine, bah, c'est une laine vraiment de très très bonne qualité. Donc les chevaux solidaires, je recommande énormément. La laine est douce, c'est du mérino, sa base non super gauche en fingering. Et clairement, voilà, elle est vraiment très très douce. Moi, j'aime bien les couleurs qui sont un petit peu, des couleurs douces, pas forcément hyper flashy, même si parfois ça m'arrive de porter des couleurs bien vibrantes. Mais voilà, comme c'est pas du super gauche, bon bah du coup les bleus, les couleurs sont beaucoup plus douces. Mais moi ça me convient tout à fait. Je voulais vraiment que ce soit très très large. Voilà. Quelque chose que je n'ai pas dit dans mes précédentes vidéos, je dirais que ce pull, alors tout est en diagramme, au niveau des couleurs, au niveau du motif ici. Il n'y a que des diagrammes, il y a des instructions écrites pour les rangs raccourcis, pour certaines augmentations, mais globalement, tous les motifs de jacquard sont décrits en diagramme. Donc si vous n'êtes pas très habitué avec les diagrammes, ça va peut-être poser un problème pour vous. Moi, je préfère pour le jacquard, je préfère en fait lire en diagramme parce que pour moi, c'est tout de suite très très clair. Quand il faut suivre par écrit, souvent je trouve que ça, je peux sauter une ligne, je sais plus où j'en suis. Alors que là, dans un diagramme, je sais case par case où est-ce que j'en suis. Et surtout, au niveau des diagrammes, les motifs sont vraiment très très simples à mémoriser rang par rang. Vous mémorisez très très vite le schéma de répétition et après vous n'avez plus qu'à répéter tout autour du pull. Donc ça, c'est vraiment un point très très fort de ce pull, c'est-à-dire que malgré le fait que vous ayez beaucoup de motifs de jacquard à faire, beaucoup de les motifs texturés, ça semble très, il y a beaucoup de choses qui se passent, et pourtant, rang par rang, c'est extrêmement simple à faire et très facile à mémoriser. Donc ça, je ne l'ai pas précisé avant, mais il faut le savoir. Donc c'est pour ça que pour moi, même pour un débutant, on va dire, qui se sent un petit peu à l'aise, si c'est son premier jacquard, à partir du moment où il se sent à l'aise pour lire des diagrammes, voilà, c'est très facile à mémoriser, c'est simple, les schémas sont simples, donc je pense que c'est tout à fait faisable par un débutant un petit peu plus expérimenté. Voilà. Mais si vous êtes allergique aux diagrammes, c'est clair que bon, ce pull risque de ne pas être pour vous. Voilà. Autrement, moi, j'ai pas rencontré de difficultés insurmontables. Juste au niveau des rangs raccourcis, je m'étais un peu trompée au début, mais ça, c'était pas la faute du patron, c'était moi qui n'étais pas très concentrée. Ça arrive souvent quand on tricote le soir un peu tard, après une bonne journée de travail, ou que sais-je, si on est fatigué ou quoi que ce soit. Vraiment, je suis contente d'avoir obtenu l'aisance que je voulais. Donc, au lieu de faire la taille 2 comme je fais d'habitude, j'ai tout de suite anticipé sur la taille 3 parce que j'ai remarqué que en dehors de l'échantillon, bah, j'avais tendance à tricoter plus serré pendant mon tricot. Donc, du coup, mon échantillon n'est pas super fiable, malheureusement. Je ne sais pas comment je vais régler ce problème par la suite parce que c'est vrai que ça peut être assez embêtant. Alors dans des pulls comme ça, où de toute façon on a beaucoup d'aisance, c'est pas très grave dans l'absolu, mais si je veux faire des pulls plus ajustés, comme par exemple sur mon pull Rowena, ça peut être compliqué. Bon, alors le pull Rowena, de toute façon, j'avais pas pris la laine, la bonne laine, je pense, de toute façon, elle était un peu plus fine que la laine qu'elle utilise, donc déjà là, j'étais mal partie. Mais autrement, c'est vrai que ça peut être compliqué d'anticiper un projet. Je ne fais pas partie de l'équipe de celles qui peuvent se lancer dans un pull sans échantillon parce que ouais, j'estime que je suis encore un peu trop instable entre guillemets en termes de tricot. Je peux varier en tension, ça peut m'arriver de varier en tension selon le point que j'utilise, selon les aiguilles que j'utilise, selon la laine que j'utilise, ça peut beaucoup varier, donc j'ai pas une constante sur laquelle je peux me fier. Donc bon, voilà. Alors après, le prochain pull que je vais faire, c'est encore un autre pull où il y aura beaucoup, beaucoup d'aisance. Donc mon échantillon n'est pas hyper juste, ce ne sera pas très, très grave. Mais voilà, donc, pour les futurs projets, si j'envisage de faire des projets avec un fil plus ajusté, ben là, ça va peut-être poser un souci. Mais bon,
Pour l'instant, je suis plutôt dans l'envie de faire des pulls avec beaucoup d'aisance, parce que bon, c'est l'hiver, on a envie de se lover dans des pulls amples, un peu épais, et de se sentir bien au chaud. Donc là, je suis plutôt dans cet esprit-là pour l'instant. Et je suis plus aussi dans un esprit de porter des pulls faciles à enfiler par-dessus d'autres choses, chercher des basiques. Celui-là fera partie de mes basiques, même si vous voyez, bon, le motif, il y a beaucoup de motifs et tout, mais c'est pas des couleurs non plus hyper pétantes. Moi, je peux le porter sans problème. Ça va s'intégrer très facilement dans ma garde-robe de tous les jours. Voilà. J'oubliais un détail que vous aurez peut-être remarqué, mais voilà, ça. Je me suis trompée. Alors, normalement, le bon motif, c'est celui qui se trouve sur cette manche-là. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez ici du jersey. Ensuite, vous commencez à voir le motif avec le kaki qui s'insère. Puis après, le kaki et la couleur plus claire contrastante, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, là, j'ai terminé avec le jaune. Pour les manches, pour rappeler un petit peu le jaune que j'ai utilisé sur le corps. Et ici, avant ça, vous avez toutes ces mailles torses qui forment un très très joli motif. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez l'erreur ici. En réalité, ici, ben voilà, j'aurais dû continuer en inversant l'emplacement des rayures kaki qui devraient être ici et continuer avec du bleu. Voilà, comme vous pouvez le constater là, si vous voyez. Et quand je m'en suis rendu compte, bah, j'avais déjà fait tous les rangs en fait. Donc j'ai fait tant pis. J'avais absolument pas envie parce que les manches, comme vous pouvez constater, sont très larges, donc il y a beaucoup de mailles. Et j'avais vraiment pas envie de défaire. Tant pis. Pareil ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû... normalement, vous avez des petits... plus de rangs. Là, vous voyez. Mais j'ai dû oublier de faire un rang, je ne sais pas. Voilà. Tant pis. Et pareil, j'ai constaté au cours du tricot que j'avais pas forcément le bon nombre de mailles sur cette deuxième manche. Donc j'ai rectifié plus ou moins au fur et à mesure, mais bon, voilà, cette deuxième manche a été un petit peu chaotique sur la fin, mais bon, pas très grave. Vous voyez que globalement, ça se voit pas trop, enfin, ça se voit pas trop, dans le sens où elles ont l'air similaires, hormis l'aspect ici du motif, mais en termes de largeur, de longueur, bon, ça se voit pas. Donc, pour rappel, j'ai eu un énorme hiatus vers le mois d'avril jusqu'à juillet, août, où je n'ai quasiment pas touché du tout mes aiguilles à cause de Animal Crossing. Donc ce qui fait que oui, il y a voilà, 4-5 mois qui sont partis comme ça, sans tricoter. Donc forcément le bilan tricot à la fin de l'année n'est pas extraordinaire, mais après voilà, pour moi c'est pas très très grave. Par contre, je compte bien me rattraper l'année prochaine. J'ai pas mal de projets en tête que j'aimerais bien faire. J'espère que 2021 sera plus productive en termes de tricot. Je compte faire des pièces un peu plus classiques. Donc il va falloir s'attendre à des projets qui sortent moins de l'ordinaire, parce que c'est ce que je cherche aussi à faire dans ma garde-robe. C'est avoir des pièces faciles à associer avec d'autres vêtements que j'ai. Voilà. Les projets qui arrivent là prochainement sont très très classiques. Mais voilà, c'est ce que je cherche. Parce que je constate qu'il y a certains tricots que j'ai moins tendance à mettre. Alors, ils ne sont pas non plus foufou, mais des fois je suis en train de me dire, celui-là je le mets pas souvent, est-ce que je devrais pas envisager de le détricoter? Je questionne certains projets que j'ai fait auparavant, savoir si il est toujours pertinent de les garder dans ma garde-robe, et sinon quoi en faire, et si oui, comment le faire en sorte que je le mette plus souvent, tout simplement tous les jours. Je suis
plutôt contente en fait d'avoir pu apporter un contenu un petit peu régulier depuis la fin de l'été jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Donc c'est voilà, c'est pour j'ai comment dire, je constate le regain d'intérêt pour le tricot et tout, donc voilà, j'ai manifesté ça par des vidéos relativement régulières depuis quelques semaines. J'en suis plutôt contente. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée l'année prochaine, même si évidemment je ne garantis jamais rien ni ne promets rien. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa de pouvoir suivre de façon régulière l'avancement des projets des uns et des autres. Et puis je réfléchis toujours à de nouvelles façons de partager ça avec vous. C'est vrai que j'apprécie beaucoup le format des vlogs où les personnes vous emmènent au quotidien dans leur vie et vous parlent d'un petit peu tout, pas forcément de tricot, mais de tout ce qui les passionne, la lecture, les séries, la couture, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie. Mais je ne suis pas persuadée de pouvoir être capable de faire ça parce que c'est pas forcément évident de se dire voilà, faut que je pense à sortir mon appareil photo pour filmer ceci ou cela. C'est ouais, une habitude qui est pour moi difficile à intégrer. Et puis il y a toujours ce sentiment d'avoir pas grand chose à dire, il se passe rien dans mes journées et tout. Et pourtant, lorsque je regarde des vlogs de personnes que j'apprécie beaucoup, ben c'est la vie de tous les jours, tout simplement. C'est pas des trucs extraordinaires. Ils n'ont pas des vies de stars avec des jets privés qui font des voyages partout. Il arrive toujours un truc. Enfin, je sais pas. Donc, j'apprécie ça en réalité. Donc, je me dis que pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas partager ce que je fais? On verra. On verra si c'est quelque chose que j'arriverai à en mettre en place l'année prochaine. C'est en réflexion. C'est pas dit que je le fasse, mais voilà, c'est en réflexion. Si vous voulez plus d'informations sur mon pull, je vous invite à regarder les précédentes vidéos où je parle de ce tricot un peu plus en détail. Si vous avez des questions à ce sujet auxquelles je n'aurais pas répondu, surtout n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai dès que possible. Et puis, je vais vous laisser pour cette fin d'année 2020. J'espère qu'elle se finit en douceur, malgré les circonstances. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Et puis, voilà, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Et on se retrouve l'année prochaine pour la suite de mes aventures tricot. Bye !